Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème parce que je ne vois pas les commentaires. J'ai l'impression qu'il y a peut-être... Visibilité publique, publique. Non, normalement. Ah, attendez. Ok, normalement là, peut-être que vous devriez être en mesure de commenter. Ou alors, il faut que je relance le live. Ou est-ce que c'est moi qui... top, 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 top. Attendez. Ah non, c'est bon. Ouh là là, c'est moi qui étais totalement ailleurs. Je sais pas pourquoi. Ok, parfait. Je ne sais pas pourquoi, il y avait... j'avais dû cliquer sur un bouton et je ne voyais pas vos commentaires. Ok, donc, bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse par avance si j'ai l'air un peu fatiguée et si je suis un peu moins énergique que d'habitude et si ce live dure un peu moins longtemps que d'habitude, étant donné qu'il fait très 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 chaud ici et que je suis... un petit peu fatiguée et j'ai reçu ma première dose de vaccin aujourd'hui et tout va bien, mais je suis quand même fatiguée. Donc voilà. Alors oui, Kylian, effectivement, pour celles et ceux qui voilà, ne sont pas totalement familières de ce rendez-vous, en général, sur Instagram, je vous propose un ou deux indices pour essayer de deviner de qui on va parler ou de quel texte on va parler. Et là, je vous avais donné une machine à coudre et pourtant, j'étais persuadée que c'était un indice facile parce qu'on parle pas quand même souvent de machine à coudre dans la littérature. Et en plus, c'est en référence au nom du podcast. Donc, je me disais, bon, normalement... ça devrait le faire. Et en fait, non, avec la machine à coudre, je crois que vous avez été juste deux à trouver. Et après, je vous ai partagé le drapeau de l'Uruguay. Et là, vous avez été un petit peu plus nombreux et nombreuses. Donc oui, là, le suspense est mort. On va parler... J'allais vous dire, on va parler des chants de Maldoror. Sauf que c'est pas exactement ça, étant donné qu'on va parler d'un extrait des chants. Et on va pas vraiment parler de l'œuvre en elle-même, qui est une œuvre très très dense, très complexe, toujours très mystérieuse à l'heure actuelle, et sur laquelle, de façon assez surprenante, il n'y a pas tant d'études et pas tant de spécialistes que ça. Ah, super Nabolita. Alors je vous cache pas que Les Chants de Maldoror, c'est vraiment l'une des lectures que je trouve les plus stimulantes, les plus intenses aussi. Et c'est sans doute l'un des livres que j'ai le plus envie de relire. Et je pense que c'est l'un des livres que l'on peut le plus, entre guillemets, relire dans sa vie. Étant donné que c'est un livre vraiment fascinant et très particulier. Donc déjà, avant de commencer, comme d'habitude, un petit tour quand même de table. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu Les Chants de Maldoror ou est-ce que globalement, pas vraiment? Et là, je me rends compte que j'aurais dû m'attacher les cheveux parce que j'ai chaud. Ouais, il est dense et très bizarre, ça on peut le dire. Punaise, j'ai failli faire une bêtise avec mon thé. Non,
Bonsoir Léa, en partie, seulement des extraits, un extrait au lycée. Ah, Lorenzaccio, je suis curieuse de savoir lequel tu avais étudié, le Pou ou pas du tout? Extrait, jamais lu, ok. Ok, en entier, Archimius, ça marche, jamais lu. Je l'ai surtout connu par son lien au surréalisme. Ouais, bah Kylian, effectivement, le surréalisme est très très important. Et tu es loin d'être le seul en fait. C'est grâce au surréalisme, j'ai envie de dire, qu'on a accès plus ou moins à ce texte. Un seul texte, un seul extrait en prépa, non malheureusement. Elisa, oui. Pas celui-là, ok Lorenzaccio. J'ai lu 4000 fois poésie, mais les champs, je ne dépasse pas le champ, hein, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est intéressant, ok. Je me souviens que c'était très étrange, oui. Je pense que c'est un souvenir qu'on partage toutes et tous, hein, si on a lu le livre. Donc. Bah écoutez, je pense que, j'espère et je pense que à l'issue de ce live, vous aurez envie de lire les chants et pas grâce à moi, mais tout simplement parce que le texte se suffit à lui-même en fait. C'est vraiment une expérience de lecture assez incroyable et c'est un texte très très rare, je trouve. Jamais lu l'Autre-Amont. Ok, ah, Kafkaïne, je pense que tu pourrais aimer. Ouais, oui, les cours Gracile, il y a beaucoup de remue-ménage, on va dire, autour de l'œuvre. Alors déjà, on va commencer par le début, n'est-ce pas? Donc le conte de Lautréamont, effectivement, j'ai décidé d'intituler le live ainsi, mais l'auteur ne s'appelle pas le conte de Lautréamont. Il s'appelle Isidore Ducasse. Le conte de Lautréamont, c'est un pseudonyme. On suppose que Lautréamont viendrait du nom d'un des personnages d'une pièce d'un livre de Dumas, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Et c'est un auteur, en fait, vous allez voir, qui est contemporain de beaucoup d'autres grands auteurs qui sont beaucoup plus connus et qu'on a beaucoup plus l'habitude de lire. Alors, comme d'habitude, pour les dates, il faut toujours que je regarde mes notes, sinon on va jamais s'en sortir. Il est né en 1846 et il est mort en 1870. Donc, vous pouvez faire le calcul, il est mort. Je pense qu'on peut quand même dire qu'il est mort très jeune. Et la raison pour laquelle je vous ai partagé le drapeau et le pays de l'Uruguay en indice, c'est parce qu'il est né en Uruguay, en fait. Et il est ensuite arrivé en France plutôt pour ses études collège-lycée. Et il a revoyagé en Uruguay par la suite. Salut Antoine. Et puis il est mort à Paris, du coup, en 1870, comme je vous l'ai dit. On sait peu de choses, en fait, sur la vie. De Ducasse ou sur la vie du comte de Lautréamont. On suppose que ça a été une vie relativement aisée quand même, étant donné que son père pourvoyait à ses besoins financiers et qu'il a pu s'adonner à l'écriture. On sait plus ou moins, on va dire, qu'il n'était pas un très très bon élève, mais globalement, on connaît très peu de choses sur lui. Il y a toujours un doute qui plane sur sa mort, sur l'endroit où serait enterré son corps, et même la parution. Des chants été chaotique. Alors, Lautréamont, il a écrit Les Chants, qui est en soi même inclassable. Alors, c'est très bien que ça s'appelle Les Chants de Maldoror, parce que Les Chants, c'est une appellation qui, globalement, est quand même assez fluide, j'ai envie de dire, assez extensible, parce que certains y voient un long poème en prose, certains y voient un long poème épique, certains y voient tout simplement de la prose, point barre. Ah voilà, Eugène Sue, si je me disais que c'était pas Dumas. Et il a écrit de la poésie et il est aussi connu pour ses correspondances. Voilà. Et globalement, ça s'arrête là. Et les textes de Lautréamont ont été premièrement publiés, en tout cas, les chants ont été publiés anonymement et à compte d'auteur. Donc c'est pour vous dire, hein, c'était très très peu mis en avant et en fait, ça a même été imprimé. Mais pas mis à la vente pendant assez longtemps. Et c'est plus ou moins les symbolistes belges qui se sont rendus compte quand même de cela. Anna, oui, il y a un personnage, mais c'est pas dans Les Mystères de Paris qui s'appelle comme ça, je crois. Mais c'est pas Lautréamont, il me semble. C'est quelque chose qui ressemble, mais c'est pas exactement Lautréamont. Et en fait, les chants ont été publiés
donc en 1868, mais peu mise à la vente. Bonsoir, je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais j'ai jamais entendu l'autre allemand prononcer comme ça. Je pensais qu'on ne prononçait pas le premier T. Eh bien, écoute, moi, j'ai toujours entendu l'autre allemand. Mais j'ai aussi jamais entendu. Enfin, on n'a pas de, il me semble, de documentation sur comment il attendait que ça soit prononcé et comment on le prononçait à l'époque. C'est un petit peu comme Stendhal et Stendhal, Huysmans et Huysmans. Bon, moi je dis Huysmans et je dis Stendhal, mais apparemment j'ai faux, je devrais dire Stendhal. Mais vraiment, je trouve que ça fait bizarre. Donc, le livre, le texte Les Chants de Maldoror n'a jamais été réellement publié et vendu, distribué, si vous voulez, du vivant de l'auteur. Voilà. Et il a été oublié pendant bien longtemps, même après la mort de l'auteur. Et il a refait surface grâce aux surréalistes, que j'aime passionnément, vous le savez, bien évidemment. Et notamment grâce à Breton, qui a fait l'éloge de Lautréamont. Lautréamont, pour les surréalistes, c'est la figure de génie par excellence. On va pas aller jusqu'à dire que c'est un modèle, parce que c'est un petit peu à l'encontre de, j'allais dire de la philosophie, ouais, on va dire de la philosophie surréaliste, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et pour eux, personne n'a, en tout cas pour eux, pour Breton et celles et ceux qui se rallient à la voix de Breton, Lautréamont est inégalé, plus ou moins. Et Breton a beaucoup œuvré à la mise en avant, à la redécouverte en fait, j'ai envie de dire presque à la découverte de ces textes, même si on sait que d'autres auteurs en ont quand même parlé. Par exemple, dans le deuxième live, il me semble, sur le Jardin des Supplices de Mirbeau, je vous disais que Mirbeau avait parlé des chants de Maldoror et il en avait parlé d'ailleurs de façon assez négative. Lui, il n'était pas du tout convaincu. On sait que Léon Blois en a parlé également, mais c'est vraiment pas un texte en fait qui est très lu ou qui a été très lu, et c'est quelque chose qui se vérifie encore à l'heure actuelle. Disons que c'est un nom qui résonne, il y a une sorte de légende et d'aura qui entoure aussi bien les chants de Maldoror que le conte de Lautréamont, mais globalement, c'est pas non plus ce qui est le plus lu. Et je pense que bah, déjà ça se vérifie aussi sur ce live ce soir. Vous avez vu qu'on est quand même beaucoup à pas l'avoir lu. Voilà. Donc, je vais pas vous faire, comme je vous l'ai dit, un résumé des chants de Maldoror parce que c'est impossible à mon sens, étant donné que c'est vraiment un texte inclassable, inqualifiable. On n'a pas de structure ou de progression vraiment identifiable. On n'a pas de. Alors, on a des thèmes quand même qui reviennent assez souvent, mais à analyser, ça reste aussi très compliqué. C'est un texte qui est en plus assez long, c'est un texte qui est très dense, c'est un texte qui joue sur beaucoup de registres, et c'est vraiment une découverte littéraire. C'est clairement quelque chose qui ne peut, alors, qui ne plaira pas à tout le monde. Je pense vraiment qu'il faut quand même le préciser. Ça reste un texte très proche de certaines hallucinations surréalistes ou symbolistes, mais poussées à l'extrême. Et il y a aussi une forme de violence et de transgression. Et alors, je n'irai pas jusqu'à dire de vulgarité, mais il y a clairement une forme de transgression plus, 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 qui peut en dégoûter ou en décontenancer certains et certaines, étant donné qu'il y a beaucoup de sujets, alors tabous, mais aussi de sujets sensibles, j'ai envie de dire, voilà. De la violence sur enfants, des meurtres, il y a une sexualité assez particulière, bref, c'est quand même très très particulier, mais c'est pour moi l'un des plus beaux livres et l'un des livres les plus jubilatoires. Voilà, il y a une forme de d'extase, une forme d'excitation vraiment proche de la jubilation en fait lors de la lecture, quelque chose que moi je ne retrouve que chez les surréalistes, l'impression voilà, d'avoir un autre monde, un autre univers qui s'ouvre face à nous. Et on va commencer tout de suite à regarder un petit peu les textes. Et vous allez voir, alors bien évidemment, il y a plein plein en fait d'éléments qui sont hyper intéressants. Et d'ailleurs, en préparant ce temps du texte, j'étais ultra frustrée parce que je me disais, non mais en fait, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de montrer cet extrait, cet extrait, cet extrait. Je me suis dit,
Pardon, ce serait même génial. Il n'y a pas de souci, Pauline. De faire une lecture commune sur les chants de Maldoror. Après, je me suis dit, en fait, c'est très très complexe. Pour le coup, c'est vraiment complexe et je me sens pas. Bon, sauf si je m'y mets maintenant pour l'été prochain, je me sens pas forcément légitime et en capacité de proposer une lecture commune. Mais ce serait en fait superbe parce que c'est presque cruel en fait de ne vous proposer qu'un extrait. Mais bon, on fait ce qu'on peut. C'est déjà pas trop mal. Alors, on va regarder un petit peu. Donc déjà, je vais diminuer ma tête, ce qui sera très très bien d'ailleurs, parce qu'on voit bien que je suis fatiguée et que j'ai chaud. Hop là. Alors, normalement, vous devriez voir le texte. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous partager une image. J'essaierai de vous la remettre après. Alors, est-ce que c'est bon? Ah, Geneviève, cool que tu l'aies lu. Mais d'ailleurs, petite question juste avant qu'on commence vraiment. Pour celles et ceux qui l'ont lu ou pour celles et ceux qui en ont lu des extraits, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé? Est-ce qu'il y en a qui ont adoré? Pour celles et ceux, voilà, qui ont un petit aperçu quand même de ce que ça peut être, quelles sont vos réactions un petit peu à chaud? Ça m'intéresse quand même. De savoir. Alors d'ailleurs, justement, en attendant en fait que vous puissiez me répondre à ça, et avant qu'on passe sur les textes, il y avait un document que je voulais vous partager, iconographique, et que bien sûr j'ai oublié. Donc je vais vous le partager maintenant, en espérant que je le retrouve bien. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Alors, avant qu'on passe au texte, je voulais vous partager ça. C'est assez connu, je pense. Alors, Elisa, j'ai adoré, adoré les courbes graciles, super. Antoine, déroutant, mais c'est pas un mal. On est d'accord, déroutant, c'est clair. Alors, pendant que vos réponses arrivent, je commente un petit peu ce que je vous propose. En fait, là, j'ai partagé avec vous l'une des feuilles, l'une des célèbres feuilles de notation des surréalistes. Alors ça, c'est très connu. Si vous ne connaissez pas, alors c'est très amusant, mais ça peut être assez. Bon, il faut le prendre avec un second degré, bien évidemment. Hein. Ça reste les surréalistes. C'est comme William Burroughs, très mélange des moments de grâce et de longues pages d'ennui profond. Ok, je comprends. Alors Antoine, effectivement, moi j'ai lu un peu de William Burroughs. Alors moi, j'ai pas du tout aimé. C'est vrai que je comprends. Je comprends la comparaison, mais je l'ai pas du tout vécu comme ça, mais je vois ce que tu veux dire. Et donc, en fait, les surréalistes, bon, ils se sont amusés à faire plein de choses. Hein. Un jour, on parlera des surréalistes et du surréalisme à l'international, pardon, et des femmes, et de tout, bref, parce que j'adore. Mais les surréalistes se sont amusés à faire beaucoup de choses, notamment à noter les grands auteurs et les autrices. Et ils s'en sont donnés à cœur joie sur les notes, n'est-ce pas? Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, on a plusieurs colonnes. Et on a aussi des noms sur le côté. Donc vous avez Shakespeare, vous avez Dante, vous avez Goethe, vous avez Pétrarque, Pindare, Gautier, etc. Vous avez Stendhal aussi. Donc Stendhal, vous voyez qu'il est plutôt très bien noté. Alors vous voyez qu'il y a aussi des notes négatives. Hein. Alors on pense, pensez ému quand même à ici. Renan, je ne sais pas si vous le voyez, en dessous de Nietzsche, un petit peu au milieu, qui a moins 20, moins 15, moins 18, moins 10, moins 15, moins 16, moins 20. Donc comme ça au moins, là c'est réglé. Et alors il y a Lautréamont, je ne sais pas si vous voyez exactement où il est. Il est plutôt vers la fin. Est-ce que je peux zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir Lautréamont ou pas? Non, ça a l'air compliqué. Alors, pour que ce soit plus simple pour vous, en fait, je vais tout simplement le baisser. Hop, Lautréamont, c'est la dernière ligne. Antigone, on en reparlera, ça, de l'adolescence, justement, parce qu'on en reparlera, c'est intéressant. Ah oui, la pauvre Georges Sand. Non, mais il y en a, franchement, ça fait de la peine. Hein. Flaubert est pas très bien noté, je crois, d'ailleurs. Et donc, comme vous pouvez le voir, Lautréamont a 19, 20, 19, 16, 17, 17 et 19.
Donc, c'est assez clair. Lamartine, vous voyez qu'il prend cher lui aussi. Enfin, bon, en tout cas, voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse, c'est hyper. Bon, c'est rigolo, on va dire ça comme ça. C'est rigolo, mais c'est aussi quand même intéressant parce que ça reflète effectivement des positions assez marquées au sein du surréalisme et ça confirme les intentions qui sont exprimées dans les manifestes. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, maintenant qu'on a vu ceci, hop. C'est bon, on peut. Bon, j'ai fait quelque chose de pas bien du tout. Hop là. C'est toi que je veux supprimer. Ok, donc on va repasser au texte. Oui, Jarry, oui, pas mal. Bah, d'ailleurs, Jarry, il a beaucoup aussi œuvré à la... Enfin, il a été plutôt positif à l'encontre de l'Autréam, entre autres. Rimbaud, oui, bah, bien sûr, Rimbaud, ouais. Il est mieux noté que Baudelaire. Bah oui, parce que Lautréamont, il va beaucoup plus loin que Baudelaire. Quand même. Ah oui, non, mais c'est excellent ce tableau, vraiment. Et là, c'est une seule page. Hein. Je crois qu'il y a 4 pages. Donc vraiment, si ça vous intéresse, il vous suffit de taper sur Internet tableau de notation surréaliste. Vous allez voir, c'est édifiant. Alors, j'ai décidé au début, là, de changer un petit peu. D'habitude, on part tout de suite sur le texte en question. Là, j'avais envie un peu de respecter, en fait, presque la chronologie ou l'aventure du texte en soi. C'est-à-dire qu'on a un petit peu eu accès au texte de Lautréamont déjà par les critiques et grâce au travail de ces critiques. Donc, on va commencer avec eux. Et en plus, je trouve que c'est savoureux. Donc, première critique, celle d'André Breton. Parmi tant, alors il en a beaucoup, il a beaucoup écrit hein, sur Lautréamont. Mais en plus là, c'est extrêmement intéressant parce que je trouve que c'est absolument pertinent et juste au niveau de l'analyse du texte en soi. C'est très très fin à mon sens. Ah ouais, Nabolita, ça donne envie de noter. Mais moi, j'aurais du mal à noter, je pense. Mais ouais. Ah, écoutez, peut-être un jour je partagerai un tableau si ça vous intéresse. Donc, le verbe. Non plus le style, subit avec Lautréamont une crise fondamentale. Il marque un recommencement. C'en est fait des limites dans lesquelles les mots pouvaient entrer en rapport avec les mots, les choses avec les choses. Un principe de mutation perpétuelle s'est emparé des objets comme des idées, tendant à leur délivrance totale qui implique celle de l'homme. À cet égard, le langage de Lautréamont est à la fois un dissolvant et un plasma germinatif sans équivalent. Bon, déjà, je sais pas vous. Bon, après, je suis pas objective, un Breton, je l'adore. Mais rien que là, je trouve qu'on sent à quel point Breton est intelligent et à quel point Breton écrit bien. Bref, là, ce qui est intéressant, en fait, à retenir, c'est ce que nous dit, effectivement, Breton en tant que critique, à proprement parler, sur le texte de Lautréamont et sur l'écriture de Lautréamont. En fait, là, c'est essentiel de comprendre que ce que Breton salue chez Lautréamont, c'est l'idée d'association. Et l'idée d'association dépasse la métaphore. Et c'est en ça qu'il nous dit, c'est le verbe et pas le style, en fait, qui est poussé à l'extrême et qui est réinventé, qui revit en quelque sorte grâce à Lautréamont. Lautréamont, c'est celui qui est connu pour avoir dit « beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection, d'une machine à coudre et d'un parapluie ». Voilà. Dit comme ça, c'est très très bizarre, mais ça l'est, et il faut l'accepter comme ça aussi. Et ça, vous voyez, c'est l'idée d'association, qui est une idée qui a été totalement reprise par le surréalisme, et ce qui crée ces images absolument incroyables, absolument farfelues, mais qui pourtant, quand on les lit, si en tout cas on est sensible à cette manière d'écrire, font totalement sens. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... très important de le comprendre parce qu'effectivement, en fait, quand on lit Lautréamont, je pense qu'il faut arriver à se rendre compte que ce qui nous perturbe, ce qui rend cela déroutant, c'est pas tant les thèmes abordés, mais plutôt le fait que ces thèmes soient ainsi accordés, ainsi mélangés et les contrastes qui s'opèrent grâce aux associations, grâce aux verbes. Et c'est pas forcément le style non plus. Le style au sens vraiment, bah, par exemple, des figures de style, des rythmes, des jeux sonores qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est hyper important et hyper intéressant. Et puis là, il y a quand même aussi une phrase qui, alors par contre, est un peu plus peut-être difficile à comprendre,
Un principe de mutation perpétuelle s'est emparé des objets comme des idées, tendant à leur délivrance totale qui implique celle de l'homme. En fait, si vous connaissez un petit peu le surréalisme, vous savez que premièrement c'est l'amour, deuxièmement c'est la liberté. C'est vraiment un mouvement libertaire et il y a une forme d'harmonie et une forme de cohérence, en fait, selon eux, à libérer bien évidemment le verbe, à libérer l'écrit, la parole et de fait à libérer l'esprit et à libérer la vision qu'on a du monde. Ça rejoint un peu, enfin ça rejoint. C'est pas aberrant, je pense que c'est même plutôt logique et c'est aussi fortement présent dans le dadaïsme. Vraiment une des citations moi que j'ai toujours en tête, c'est une citation de Tsara qui nous dit que la pensée se forme dans la bouche. Et moi je trouve que c'est extrêmement vrai. Donc voilà. Et puis alors la phrase de fin, je trouve qu'elle est superbe. À cet égard, le langage de l'Autréamont est à la fois un dissolvant et un plasma germinatif sans équivalent. Là, ce qui est superbe, en fait, c'est d'avoir ces deux fonctions presque, alors pas presque, en fait, ces deux fonctions opposées, ces deux fonctions antithétiques du langage, qui est à la fois ce qui dissout, ce qui détruit, ce qui fait disparaître, et à la fois aussi ce qui permet de faire germer, de faire naître. C'est superbe. Enfin, moi, j'adore Breton, voilà, je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais je trouve que là, on se rend compte quand même de sa capacité d'analyse, sa capacité de critique. Et alors, la deuxième petite phrase, celle-ci, elle est géniale. Elle s'éloigne un petit peu quand même de, on va dire, du reste, mais je voulais vous la partager parce que, en fait, l'Autréamont a aussi été plus ou moins analysé et critiqué par Camus. Camus a fait une toute autre interprétation des textes de l'Autréamont et en fait Breton n'était pas du tout d'accord avec la vision de Camus, avec la manière dont Camus en a parlé et il n'était pas non plus d'accord, pardon, avec l'analyse que Sartre a fait de Baudelaire. Donc, il a rédigé un article qui s'appelle donc Sucre jaune, qui a été publié en 1951, dans lequel il exposait un petit peu lui sa manière de voir les choses et surtout dans laquelle il critiquait en fait la critique de Sartre, de Baudelaire et la critique de Camus sur l'Autréamont. Et donc il a cette superbe phrase quand même qui est là on reconnaît bien le côté peut-être détestable pour certains de Breton. On ne saurait trop s'indigner que des écrivains jouissant de la faveur publique s'emploient à ravaler ce qui est mille fois plus grand qu'eux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même pas ultra sympa de se recevoir ça. Et puis c'est à la fois extrêmement élégant et presque détaché de tout affect dans la formulation. Et puis par contre, c'est cinglant et ça te remet bien à ta place, quoi. Enfin, à ta place. À la place que Breton pense que tu dois avoir, en tout cas. Donc voilà. Je trouvais que c'était assez bien dit. Et je pense que c'est aussi important de montrer, voilà, les différentes facette de Breton, mais là c'est quand même aussi intéressant hein, parce qu'il y a aussi une critique quand même quand il nous dit les écrivains jouissant de la faveur publique, c'est pas rien. Voilà, ça rejoint aussi une vision de l'écrivain, une vision de l'artiste, une vision du monde qui était celle des surréalistes et celle de Breton, qui est clairement pas celle de Sartre et pas celle de Camus, même si Camus est quand même différent, je trouve un petit peu, mais eux étaient voulaient en tout cas, je pense, se faire, enfin en tout cas se voyaient et se présenter un petit peu comme des figures d'opposition, de revendication, d'engagement. Bon, Breton n'était pas très convaincu. Et la dernière, ah non, l'avant-dernière, pardon, l'avant-dernière critique que j'ai partagée avec vous, je l'ai sélectionnée parce qu'en fait, c'est exactement ou presque ce que je ressens en lisant des textes surréalistes. J'en ai déjà parlé. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fou en fait. Francis Ponge, il le dit, bon, bah, mille fois mieux, mais c'est exactement cette sensation-là que j'ai. Ouvrez l'Autréamont. Et voilà toute la littérature retournée comme un parapluie. Fermez l'Autréamont. Et tout aussitôt se remet en place. Pour jouir à domicile d'un confort intellectuel parfait, adaptez donc à votre bibliothèque le dispositif Maldoror Poésie. Bon, la dernière phrase, c'est pas la plus intéressante. Je trouve que cette partie-là est vraiment extrêmement efficace et extrêmement visuelle.
l'idée, voilà, d'ouvrir en fait un livre et de voir la littérature, mais par extension, j'ai envie de dire presque le monde se retourner comme un parapluie. C'est toujours la même chose et en même temps, et à la fois c'est très différent. Et puis vous le refermez et tout redevient tel quel, ou tel que vous le voyiez avant. Et ça, c'est vraiment une sensation que j'ai toujours eue dès les premières lectures en fait de textes surréalistes. J'avais cette sensation d'être face à une réalité qui d'un coup, sur laquelle en tout cas s'ouvrait une sorte de rideau et d'avoir voilà, quelque chose de la même chose mais totalement différemment quoi, d'être une révélation presque j'ai envie de dire. Et là je trouve que l'image du parapluie est encore plus parlante et effectivement Elisa en plus il reprend le parapluie. Donc voilà, ça c'est en plus extrêmement cohérent et évocatif. Et alors là, vous allez vous dire que c'est totalement différent, et ça l'est. Mais Stephen King a écrit un livre qui s'appelle Le roman de Lizzie, ou Lizzie, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Lizzie's Story, en anglais. Qui d'ailleurs va bientôt être adapté ou a été adapté, je ne sais pas. Et en fait, c'est l'un de mes livres préférés de Stephen King. Et dans ce roman, il a une parole, enfin, il y a une phrase à un moment donné que j'ai toujours trouvée extrêmement belle. Alors, ça parle d'univers parallèle, enfin, bon, bref, voilà. Et donc, il dit à un moment que l'univers se retourne comme un gant. Et j'ai toujours trouvé ça extrêmement beau. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu quand même dans la veine de voilà, de cette littérature qui s'ouvre comme un parapluie ou qui se retourne comme un parapluie. Je voulais juste partager ça avec vous parce que c'est vraiment parmi les citations que je trouve les plus belles, qui sont extrêmement simples et qui, pour moi en tout cas, ont une force presque. Ouais, presque de l'ordre de la révélation et d'une vérité, quoi, essentielle. Et en dernier, on a un petit paragraphe écrit par Léon Blois qui paraît dans Le Désespéré en 1886. Alors là, vous allez voir, c'est un petit peu différent quand même. Il est difficile de décider si le mot monstre est ici suffisant. Cela ressemble à quelque effroyable polymorphe sous-marin qu'une tempête surprenante aurait lancé sur le rivage après avoir sablé le fond de l'océan. La gueule même de l'imprécation demeure béante et silencieuse au conspect de ce visiteur et les sataniques litanies des fleurs du mal prennent subitement, par comparaison, comme un certain air d'anodine bondieuserie. Ce n'est plus la bonne nouvelle de la mort du bonhomme Herzen, c'est quelque chose comme la bonne nouvelle de la damnation. Quant à la forme littéraire, il n'y en a pas. C'est de la lave liquide, c'est insensé, noir et dévorant. Je trouve que ça aussi, c'est quand même extrêmement beau. Alors, c'est vrai que c'est une superbe description, il me semble quand même, quand il nous dit qu'il n'y a pas de forme littéraire, pardon, et que c'est comme de la lave liquide noire, insensée et dévorant. Je trouve que c'est extrêmement. Il y a quelque chose là, encore une fois, qui est très très proche du texte, du ressenti, et à la fois c'est une expression très subjective du ressenti qu'on a en lisant Lautréamont, et en même temps ça nous parle fortement. Et c'est ça, enfin moi je trouve que c'est ça la force des images, c'est ça la force de la poésie, c'est la capacité en fait à exprimer, à expliquer grâce à des termes ou à des associations qui ne seraient pas évidentes. Et c'est pour ça que j'aime autant le surréalisme, en partie. Et ce qui est également intéressant là, alors voyez, ça rejoint un petit peu ce dont on avait parlé dans les lives sur Mirbeau. Le terme de monstre ici, vous voyez, c'est assez intéressant parce que si on a lu les champs, on s'attendrait à ce que Blois justifie ou explique son utilisation du mot monstre par le fait qu'on y parle de choses absolument affreuses et horribles. Mais en fait, non, il parle vraiment de l'aspect polymorphe du texte. Et c'est ce qu'on avait évoqué dans le live sur Mirbeau en disant qu'en fait, Le Jardin des Supplices, c'était un texte extrêmement polymorphe, extrêmement composite, hybride. Tout comme ces personnages, et qu'en cela il y avait quelque chose de monstrueux en fait dans le texte, étant donné que je le rappelle pour celles et ceux qui n'auraient pas été là sur les lives de Mirbeau, en fait à la base, monstre plus ou moins renvoie à l'idée de quelque chose qui permet de montrer du désordre là où il devrait y avoir de l'ordre, et pas en fait quelque chose d'horrible ou qui fait peur physiquement à la base.
Donc, là, pour le coup, pour celles et ceux qui ont un petit peu lu les champs, on ne peut que être d'accord sur cet aspect absolument polymorphe et totalement inclassable. Un autre aspect là qui est intéressant, c'est l'utilisation du terme satanique, étant donné que c'est quelque chose qui a beaucoup été... Alors, effectivement, ça a été dit de Baudelaire, mais ça a été beaucoup dit de Lautréamont, alors que, bon, ça se discute. Et je voulais quand même partager ça avec vous. Le terme satanisme appliqué à la littérature, il apparaît pour la première fois en 1821. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et il apparaît sous la plume d'un monsieur qui s'appelle Robert Southey, Southey. Oui, Samuel, le paysan de Paris d'Aragon, je pense que c'est l'un des textes les plus surréalistes qui soit, au niveau de la forme en tout cas. Et c'était au sujet de Lord Byron. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Notamment dans les écrits qui ont été 1821, 1821 Geneviève, qui ont été inspirés par Milton avec Le Paradis perdu, qui est l'un des textes quand même ultra fondateurs, que je n'ai pas lu en plus, j'ai uniquement lu des extraits. Donc voilà, il y a plein de petites choses en fait là déjà, rien que dans la... Je ne sais pas si vous sentez quand même l'exaltation un petit peu, l'effervescence, l'émulation. En fait, rien que dans les critiques de Lautréamont, je trouve qu'il y a tellement de connaissances, de théories et d'histoire littéraire, c'est juste génial. Bref. Maintenant, on va passer au texte donc. Donc, à regret, j'ai dû sélectionner un seul extrait. Bon. Et vous avez vu, je pense, avec le titre de la vidéo, on va se concentrer sur Dieu. Et alors, en fait, c'était un petit peu ambitieux de ma part, donc je précise, hein, je ne suis pas une spécialiste de Lautréamont. Je reprécise aussi ce qui a été dit au début de live pour celles et ceux qui seraient arrivés un peu plus tardivement. Lautréamont, en fait, il est peu étudié et il y a peu de consensus et ça reste un texte très mystérieux, plus ou moins. Et la question de Dieu, elle est essentielle, mais elle est assez complexe. Et donc, je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité avec ce qu'on va faire. Allez. Donc c'est parti, préparez-vous, surtout pour celles et ceux qui n'ont jamais lu. Mais c'est vraiment pas le passage le plus choquant, hein. Je vous rassure, j'ai pas du tout choisi un passage choquant. Peut-être que j'aurais dû, mais non. Un jour donc, fatigué de talonner du pied le sentier abrupt, oh, encore une faute, bon, c'est pas grave, du voyage terrestre et de m'en aller, en chancelant comme un homme ivre, à travers les catacombes obscures de la vie, je soulevais avec lenteur mes yeux splénétiques, cerné d'un grand cercle bleuâtre, vers la concavité du firmament, et j'osais pénétrer, moi, si jeune, les mystères du ciel. Ne trouvant pas ce que je cherchais, je soulevais la paupière effarée plus haut encore, jusqu'à ce que j'aperçusse un trône, formé d'excréments humains et d'or, sur lequel trônait, avec un orgueil idiot, le corps recouvert d'un linceul fait avec des draps non lavés d'hôpital, celui qui s'intitule lui-même le Créateur. Rien que là, je ne sais pas si vous sentez quand même la force du texte. Hein. Il tenait à la main le tronc pourri d'un homme mort et le portait alternativement des yeux au nez et du nez à la bouche. Une fois, pas une doigt, une fois à la bouche, on devine ce qu'il en faisait. Ses pieds plongeaient dans une vaste mare de sang en ébullition, à la surface duquel s'élevaient tout à coup, comme des ténias à travers le contenu d'un pot de chambre, deux ou trois têtes prudentes et qui s'abaissaient aussitôt avec la rapidité de la flèche. Un coup de pied, bien appliqué sur l'os du nez, était la récompense connue de la révolte au règlement, occasionnée par le besoin de respirer à un autre milieu. Car enfin, ces hommes n'étaient pas des poissons. Amphibies tout au plus, ils nageaient entre deux eaux dans ce liquide immonde. Jusqu'à ce que, n'ayant plus rien dans la main, le Créateur, avec les deux premières griffes du pied, saisit un autre plongeur par le cou, comme dans une tenaille, et le souleva en l'air, en dehors de la vase rougeâtre, sauce exquise. Pour celui-là, il faisait comme pour l'autre, et lui dévorait d'abord la tête, les jambes et les bras, et en dernier lieu le tronc, jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien, car il croquait les os. Ainsi de suite, durant les autres heures de son éternité. Quelquefois, il s'écriait « Je vous ai créé, donc j'ai le droit de faire de vous ce que je veux. Vous ne m'avez rien fait, je ne dis pas le contraire. » Je vous fais souffrir et c'est pour mon plaisir. » Et il reprenait son repas cruel,
en remuant sa mâchoire inférieure, laquelle remuait sa barbe pleine de cervelle. Voilà, voilà, voilà. Donc, n'est-ce pas merveilleux? Donc, je pense que vous avez compris que ce texte s'intéresse à la figure de Dieu, et je pense que vous avez compris également pourquoi j'ai intitulé ce temps du texte « Dieu dans la boue ». Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait ça fait, alors pour celles et ceux qui sont ni profs et ni au lycée ou qui n'ont pas d'enfants au lycée, là ça va peut-être pas vous parler, mais l'année dernière, l'un des thèmes possibles en première pour le bac de français en poésie, c'était l'alchimie, l'alchimie poétique. J'ai transformé la boue en or. Voilà, plutôt avec Baudelaire. Donc, alors attendez. 30 secondes. Hop là. Ok, c'est bon. Donc, oui, c'est puissant. C'est vraiment beau. Ah, bah Lorenza, écoute, je suis contente, ça te donnera peut-être envie de le relire. C'est quand même pas une image que je me fais de Dieu, mais bon. Alors oui, Geneviève, attention, t'es pas au bout de tes surprises. Dragoon Culture, c'est dans quel champ? C'est dans le deuxième champ. C'est dans le deuxième champ. Donc, là, il y a beaucoup de choses, en fait. Est-ce que, rapidement, mais je pense que oui, est-ce qu'il y a une image qui est venue, qui s'est imposée à votre esprit? Ou pas? Et après, on parlera un petit peu plus du texte, mais franchement, il y a tellement de choses à dire sur ce texte. En fait, c'est, au niveau même de l'analyse, c'est absolument génial. Et j'avais analysé un autre extrait qui s'intitule Le Pou, qui est le plus connu, avec mes troisièmes. Et c'est génial, en fait, pour leur faire relever les figures de style, les champs lexicaux. C'est absolument génial, en fait, parce que c'est d'une richesse. Et il y a tout un faisceau, en réalité, de connexions qui s'établit dans l'écriture de Lautréamont qui permet vraiment de tout de suite créer un univers dans lequel on est, malgré soi, après ce que j'ai envie de dire, absorbé. Ben, c'est le deuxième chant, mais je ne peux pas t'en dire plus par contre, parce que en fait, j'ai pris en photo mon livre chez moi et je ne l'ai pas amené dans le sud, donc je ne peux pas te dire. Oui, Antoine, on est totalement d'accord. Et justement, en fait, par exemple, Camus a plutôt opté pour une critique de Lautréamont dans laquelle il le rapprochait d'une certaine forme de nihilisme. Alors qu'en fait, il y a autre chose quand même sur la figure de Dieu chez Lautréamont. En fait, on va voir que Lautréamont est plus proche de Baudelaire dans son rapport à la foi et dans son rapport à Dieu. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus violent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quand même beaucoup plus violent que Baudelaire. Non, j'ai pas lu Les deux étendards de Lucien Rebatté, par contre, désolée Patrice. Donc oui, effectivement, je pense que, enfin moi en tout cas, tout de suite, ça m'avait fait penser à quand même un tableau célèbre de notre... Hop, là vous devez m'entendre, j'avais oublié de mettre le micro sur cette diapo-là. Mais, on a là, alors, deux peintures et une gravure. Donc, l'image qui est la plus évidente, je pense, c'est celle qui s'impose le plus rapidement à notre esprit, c'est effectivement la peinture, le tableau du milieu, qui est un tableau de Goya. Les deux premiers sont de Goya. Le troisième document iconographique, c'est une gravure de Gustave Doré qui illustre la Divine Comédie de Dante.
Vous voyez, il y a tout un réseau qui se crée, bien évidemment. Donc, Goya, c'est vraiment un artiste absolument terrifiant et génial. Vraiment, on se dit que c'est à la fois un délice pour nous d'avoir des esprits qui devaient être tels qu'ils étaient pour peindre et pour concevoir ce genre d'œuvre, et en même temps, ça devait être affreusement terrible pour ces esprits-là aussi, j'imagine. Et donc, la représentation que fait Lautréamont effectivement du créateur, étant donné qu'il ne le nomme pas Dieu dans cet extrait, et qu'il ne le nomme apparemment créateur que parce que cet être lui-même s'intitule, c'est marrant d'ailleurs, s'intitule, pas se nomme, et là il y a presque l'idée d'une construction réellement artistique, et d'une construction presque donc artificielle. Donc, c'est effectivement le tableau du milieu qui est le plus proche, mais les deux autres le sont également. Et celui de le premier, en tout cas, je l'ai intégré parce que je le trouve absolument saisissant et j'ai quand même cette sensation qu'il est très proche de cette ambiance qu'on pourrait avoir. Et j'ai envie de dire qu'il pourrait même davantage représenter la figure de Maldoror plutôt que la figure du créateur. Voilà. Donc, je ne pouvais pas faire ce temps du texte, bien sûr, sans partager ces documents iconographiques avec vous. Donc, maintenant que ça c'est fait, sur ce texte en soi, en fait, il y a un effet de surprise. Il y a un indéniable effet de surprise, de saisissement. Alors que, en fait, objectivement, il n'y a pas vraiment de nouveauté au niveau de la thématique. Oui, Samuel, c'est vrai qu'il y a une forme de violence et d'effroi qui est assez, qui se retrouve dans les quatre productions artistiques, ouais. En fait, au niveau des thématiques, il n'y a pas réellement une énorme innovation. L'idée, souvenez-vous, hein, Lautréamont, c'est quand même le 19e. Donc, on a déjà le romantisme qui est passé. On a déjà le libertinage, les lumières, la remise en question de Dieu, une écriture presque, entre guillemets, blasphématoire, elle existe. Tout cela a été fait de façon diverse et variée. On est bien d'accord. Pourquoi alors est-ce qu'on a cette impression, ce saisissement en fait à la lecture de Lautréamont? Pourquoi est-ce que les chants de Maldoror sont aussi transgressifs et pourquoi est-ce qu'on a cette sensation de nouveauté, d'innovation, mais vraiment très très profonde? Et c'est là que la critique de Breton est à mon sens extrêmement juste et pertinente, c'est que ce n'est pas du tout, enfin à mon sens, hein, à mon sens, ce n'est pas du tout dans les thèmes abordés. C'est dans les images qui sont convoquées une à une et qui parsèment l'œuvre. C'est dans l'énonciation, c'est dans la narration, c'est dans le choix du narrateur. Alors bien sûr, quelques thèmes sont quand même assez choquants, j'ai envie de dire, et sont peu abordés. C'est vrai que la question, alors il y a beaucoup la question de la pédérastie. Alors j'utilise ce mot parce que c'est le mot que Lautréamont utilise. Il y a aussi une question vraiment de la viol. Il y a toute une utilisation des animaux qui est très différente pour le coup, ça c'est vrai. Ou en tout cas, il y a une utilisation d'animaux différents. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'en fait, au niveau des thématiques, rien n'est nouveau, rien n'est innovant et rien n'est osé. Non, bien évidemment. Mais globalement, ce n'est pas ça en fait qui permet, à mon sens, à ce texte de créer cette impression sur les lecteurs et les lectrices. C'est vraiment les associations et c'est vraiment le fait de pousser le verbe jusqu'à l'extrême. Et oui, il y a plus de crasse, ça. Et là, je vous dis, hein, c'est loin d'être. Ça, c'est un extrait soft. Donc, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez trouver dans le livre. Et d'ailleurs, en fait, le début des chants, c'est une adresse au lecteur. Et ça, c'est l'un des nombreux points communs avec Baudelaire, même au niveau de la forme. Parce qu'il y a une filiation quand même assez évidente, hein, entre Baudelaire et Lautréamont. C'est une adresse au lecteur. Et à Dieu. Ça commence avec plutôt ciel, etc. Donc déjà, c'est placé sous une forme d'égide. Ah, il y a eu un don, je suis désolée, j'ai pas du tout vu. Merci Lila, merci beaucoup, c'est hyper gentil. Merci beaucoup. Farid, n'est-ce pas? Et donc, tout de suite, il se met dans une. Enfin, l'auteur, pardon, le narrateur, tout de suite. S'installe dans une position assez étrange. Les narrateurs qui font des adresses au lecteur,
C'est toujours intéressant en fait en termes d'analyse littéraire parce que c'est un petit peu placer la fiction dans un milieu, enfin dans un entre-deux. C'est sortir la fiction du cadre purement fictionnel et c'est en fait avoir une sorte déjà de regard métatextuel sur le texte, étant donné que le narrateur se sait investi d'une mission de narration et se sait être le conteur, le relais face à d'autres qui le liront ou qui l'entendront, selon la forme plus ou moins du texte. Donc ça, c'est déjà extrêmement intéressant. Et puis alors, avec L'Autréamont et avec Baudelaire, il y a bien évidemment quelque chose d'encore plus fort, étant donné que cette parole, cette instance de la narration, elle est directement liée en fait à la figure du poète qui est porteuse d'un message. Baudelaire le fait de façon relativement classique. L'Autréamont va venir un petit peu, enfin, j'ai envie de dire un petit peu pervertir en fait ce rapport et cette mission du poète. Surtout vers la fin, il n'y croit pas vraiment. C'est ça, Valy, exactement. On est d'accord, Anna, mais totalement. Bah, de toute façon, je vous ai choisi après un extrait de Dante, parce que je pense que c'est... on ne peut pas passer à côté, quoi. C'est génial. Enfin, vraiment, les chants, c'est absolument incroyable. Et donc, dès le début, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il y a une adresse au lecteur, et on nous dit, enfin, le narrateur nous dit que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains et que tout le monde ne doit pas lire ce livre. Mais pourquoi? Ça, c'est une autre question. Parce qu'en fait, la réalité, c'est pas parce qu'il pense que le livre est choquant. C'est pour une autre raison. Et une raison peut-être un peu moins bienveillante ou en tout cas un peu plus peut-être élitiste. Mais c'est autre chose, on pourrait en reparler une autre fois. Oui. Samuel, je pense qu'il y a de ça. Mais moi, je pense que c'est pas forcément pour effacer la fiction. Je pense que c'est plutôt pour... Au lieu de, enfin, pour moi, personnellement, je le vois moins comme un moyen d'effacer la fiction que de convaincre le lecteur ou la lectrice à participer à la fiction. Pour moi, en tout cas. Mais après, ça dépend aussi, bien évidemment, de quelle adresse au lecteur. Parce que si on parle d'une adresse au lecteur dans un texte qui serait plutôt autobiographique, et alors je ne sais pas là s'il y a des exemples. Peut-être que vous savez, là il n'y en a pas qui me vient, mais je pense à des récits par exemple qui surviendraient après la Seconde Guerre mondiale, des récits des camps, du goulag, où il y aurait des adresses au lecteur. Là on est bien d'accord que c'est effectivement pas pour convoquer le pouvoir de la fiction et permettre, enfin permettre, plutôt obliger dans un sens, dans les deux sens, obliger, je vous oblige, vous êtes libre, et obliger, je t'oblige aussi. Le lecteur à rentrer dans la fiction. Là ce serait effectivement plutôt pour effacer cette idée de fiction, cette idée de lire un livre. Mais d'ailleurs, vous voyez, ça c'est un sujet hyper intéressant en fait, le rôle, je vais le noter, le rôle de l'adresse au lecteur. En fait. Je suis en train de bouillir, il fait super chaud, ma mère n'a pas de ventilateur. Je n'en peux plus. Pardon, je vous ai soufflé dedans, excusez-moi. Ouf. Je n'en peux plus. Ah bah Tania, c'est génial. Bah Geneviève, justement, Dumas, par exemple, je pense pas du tout, enfin, je ne pense pas que son idée ce soit d'effacer l'idée de la fiction. Je pense que chez Dumas, c'est vraiment l'idée de dire tu vas être dans un texte de fiction, tu l'as choisi. Tu en seras partie prenante, un petit peu. Oh mais Anna, il faut franchement entre nous, tout le monde peut commenter, je suis pas plus légitime que vous, je peux raconter, mon propos est incomplet, lacunaire, voilà, donc il n'y a aucun souci. Ouais, je suis d'accord, c'est hyper intéressant les adresses au lecteur, comme les préfaces. Donc, on a un petit peu parlé de tout ça, maintenant, est-ce qu'on ne regarderait pas un petit peu le texte? Donc, si on regarde le texte, dès le début, en fait, c'est superbe. Un jour donc, fatigué de talonner du pied le sentier abrupt du voyage terrestre, oubliez le thé,
et de m'en aller en chancelant comme un homme ivre à travers les catacombes obscures de la vie, je soulevais avec lenteur mes yeux splinétiques cernés d'un grand cercle bleuâtre vers la concavité du firmament et j'osais pénétrer moi si jeune les mystères du ciel. En fait, dans cette première phrase, qui est quand même déjà assez longue, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on a bien évidemment la convocation à Baudelaire avec un néologisme, splinétique, ça n'existe pas vraiment. Et on a cette idée déjà de presque d'arrogance de la part du narrateur, qui malgré son jeune âge, hein, on a vraiment une accentuation à ce niveau-là, on vous dit « moi, virgule, si jeune, virgule, j'osais pénétrer les mystères du ciel » avec l'exclamative. Donc, on est déjà en fait dans une revendication assez forte de l'individualité et du pouvoir d'action. En plus, on s'inscrit dans une filiation avec Baudelaire, qui lui aussi est un poète qui a remis en cause l'autorité, qui a remis en cause une autorité divine et une autorité tout court, et aussi une autorité paternelle, ou en tout cas figure paternelle, étant donné que, enfin, je pense que vous le savez, Baudelaire n'était pas en très bon terme avec le mari de sa mère. Bref, c'est autre chose. Et on a aussi, bien évidemment, dès le début, un vocabulaire qui est quand même très mystique, pour pas dire religieux, talonner même du pied le sentier abrupt du voyage terrestre. En fait, l'idée de voyage terrestre, c'est quand même très très religieux. Hein. On parle pas de voyage terrestre si on n'a pas de spiritualité, en général. Donc jusque-là, c'est grandiloquent, c'est prétentieux, entre guillemets prétentieux, mais c'est ni choquant ni transgressif, et on a presque en fait... plus ou moins, hein, quand même, je trouve un paragraphe relativement classique avec la référence à Baudelaire. Donc on a presque quelque chose de, somme toute, attendu. Et c'est ensuite que, effectivement, ça se change. Ne trouvant pas ce que je cherchais. Tout est déjà dit dans cette phrase, dans cette première proposition. Je soulevais la paupière effarée plus haut encore, jusqu'à ce que j'aperçusse un trône. Jusque-là, tout va bien, ou presque. L'idée d'un trône dans les cieux, c'est pas particulier. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, parce qu'on me dit que le chat est déconnecté. Ok, c'est bon, vous êtes reconnecté. Oui. Je soulevais donc la paupière effarée plus haut encore jusqu'à ce que j'aperçusse un trône. Et c'est là que tout commence à partir un petit peu dans tous les sens, ou en tout cas à partir dans du Lautréamont. Parce que ce trône est formé d'excréments humains et d'or, sur lequel trônait avec un orgueil idiot. Alors c'est intéressant ça, parce que le narrateur fait preuve d'orgueil effectivement. Mais l'orgueil qui est décrié, c'est celui du créateur. Le corps recouvert d'un linceul fait avec des draps non lavés d'hôpital. Et donc là, c'est vraiment une sorte de blasphème presque suprême, hein, ou en tout cas de manque de respect suprême, vu que le blasphème, c'est pour celles et ceux qui croient. D'imaginer que le linceul blanc, qui est vraiment figure et représentation de sainteté et de pureté absolue finalement, c'est un drap d'hôpital non lavé. Donc un drap d'hôpital non lavé, c'est quoi déjà? Effectivement, c'est sale, c'est prosaïque, c'est bien loin de la figure sacrée divine. Mais en plus, au-delà de ça, un drap d'hôpital, qu'y a-t-il sur un drap d'hôpital si ce n'est les traces du malheur, des souffrances humaines? Et c'est dans ça que Dieu se part. Et au-delà de ça, c'est en plus une image qu'on ne retrouve pas souvent. Personnellement, j'ai jamais vu cette image-là, autre que chez Lautréamont. Donc là, on revient sur aussi bien Ponge que Breton. Celui qui s'intitule lui-même le Créateur. Il tenait à la main le tronc pourri d'un homme mort et le portait alternativement des yeux au nez et du nez à la bouche. Une fois à la bouche, on devine ce qu'il en faisait. Là, ça y est, on a vraiment plongé dans un autre registre. On comprend qu'on est dans une figure divine, bien loin de la figure divine pure, clémente, miséricordieuse, mais on est également loin en fait d'une figure divine qui serait peut-être stricte, autoritaire, toute puissante, paternaliste en soi, mais au moins noble. On est dans quelque chose de très corporel, on est dans quelque chose de très matériel. On est dans un Dieu qui se nourrit
qui dévore, qui croque les os, qui mange les membres des hommes, des humains qu'il a créés. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un renversement, étant donné que, et ça c'est un des textes annexes, j'ai pour vous après, dans Dante, ce n'est pas Dieu qui mange les hommes, c'est Lucifer. Et là, en reprenant des attributs associés dans quand même l'un des textes les plus célèbres de la littérature, où le clin d'œil, alors c'est pas un clin d'œil, hein, mais où la référence est évidente, et donc en reprenant les caractérisations et les attributs de la figure de Lucifer en les calquant à Dieu, il y a une forme de fusion au niveau de ce personnage sous la plume de Lautréamont. Donc, transgression. Hein. Et puis la petite, on devine ce qu'il en faisait, ça rejoint presque l'adresse au lecteur. C'est là où on est un petit peu déjà convoqués nous aussi. C'est-à-dire qu'on nous demande d'imaginer et de deviner nous-mêmes, donc bien évidemment de visualiser. C'est anodin, hein, c'est vraiment tout petit, c'est subtil, mais rien que ça, on devine ce qu'il en faisait. C'est une demande en fait d'investissement pour le lecteur, pour la lectrice. Ses pieds plongés dans une vaste mare de sang en ébullition, à la surface duquel s'élevait tout à coup, et là effectivement, comme l'avait relevé Nabolita tout à l'heure, on a la première comparaison qui est vraiment encore plus forte, je pense, que les draps d'hôpitaux, comme des ténias à travers le contenu d'un pot de chambre. Alors là, on n'est pas chez Rabelais, mais c'est un petit peu quand même, c'est à la limite. Et en fait, de toute façon, il y a quand même quelque chose de très scatologique qui traverse tous les champs. Ça, c'est indéniable. Deux ou trois têtes prudentes et qui s'abaissaient aussitôt, avec la rapidité de la flèche. Un coup de pied bien appliqué sur l'os du nez était la récompense connue de la révolte au règlement. Ça, cette phrase, je pense vraiment, hop, elle est très intéressante et elle peut vraiment être sortie, entre guillemets, du contexte de l'extrait. Et je pense que là, il y a une revendication quand même, effectivement, de liberté, entre guillemets, et de voir une critique de la part du narrateur slash de l'auteur de ce Dieu de ce Créateur qui nous a soi-disant laissé libres, mais qui nous punit dès qu'on exerce notre liberté. Occasionné par le besoin de respirer à notre milieu, car enfin ces hommes n'étaient pas des poissons. Et là tout de suite on retombe quand même dans quelque chose de beaucoup plus surprenant, de beaucoup plus inattendu. On est dans une réflexion qui jusque-là se suit presque en fait. L'idée voilà de dire qu'il y a un Dieu, un Créateur qui est affreux, qui est cruel, qui ne nous laisse pas être libres, qui se nourrit de nos souffrances, avec cette allusion au drap d'hôpitaux, mais aussi avec le fait qu'il nous dévore littéralement. Et puis juste après, on est dans cette idée que ce qui est quand même horrible, c'est que ces hommes sont en train de nager dans de l'eau et que ce ne sont pas des poissons. Ils sont amphibies peut-être, mais pas des poissons, et donc il faut bien qu'ils aillent respirer ailleurs, quoi. Jusqu'à ce que, n'ayant plus rien dans la main, le Créateur avec les deux premières griffes du pied. Et là encore, c'est ça qui est assez... C'est cette mention en fait de partie du corps qui normalement ne devrait pas forcément être là. On parle rarement quand même des pieds de Dieu. Et même si on parle des pieds dans la religion, c'est pas la même chose. C'est pleurer aux pieds de Jésus, c'est s'agenouiller aux pieds de telle ou telle personne, c'est laver les pieds des évêques là ou de je sais plus trop qui. C'est pas pour nous parler des griffes des pieds. Là, il y a une forme de monstruosité, bien évidemment. On imagine presque une créature plutôt qu'un créateur. Saisit un autre plongeur par le cou, comme dans une tenaille, et le souleva en l'air, en dehors de la vase rougeâtre, sauce exquise, ironie cruelle, mordante. Pour celui-là, il faisait comme pour l'autre. Et là, alors que tout à l'heure, il nous disait « on devine ce qu'il en faisait, veut-il nous ménager ?» Non, pas du tout, étant donné que désormais c'est bon, pof, on a accès à la description bien précise de ce qui se passe. Il lui dévorait d'abord la tête, virgule, les jambes et les bras, virgule, et en dernier lieu le tronc, virgule, jusqu'à ce qu'il ne reste à plus rien. Précision, absorption totale. Car il croquait les os. Ainsi de suite, durant les autres heures de son éternité. Et ça, c'est super beau aussi, je trouve. Quelquefois, il s'écriait. Ah, quand même. Cette créature est dotée de paroles. Mais elle s'écrie. C'est encore une fois extrêmement dégradant, en fait.
Oui, Antigone, c'est Satan qui a les pieds crochus. Mais c'est vraiment cette idée hein, de fusion entre les deux personnages, en fait. Je vous ai créé, donc j'ai le droit de faire de vous ce que je veux. Vous ne m'avez rien fait, je ne dis pas le contraire, je vous fais souffrir et c'est pour mon plaisir. Bon, là, c'est assez clair. Et il reprenait son repas cruel en remuant sa mâchoire inférieure, laquelle remuait sa barbe pleine de cervelle. Va-t-il aller jusque-là? Va-t-il nous dire qu'en mangeant et en croquant ses hommes, il y a de la cervelle qui est sur sa barbe? Oui, il va jusque-là. Baudelaire ne va pas jusque-là, Rimbaud ne va pas jusque-là, même Mirbeau, j'ai envie de dire, ne va pas jusque-là. Et donc, c'est vraiment un texte qui est fort, étant donné qu'il y a tout un champ lexical qui vient nous plonger dans une proximité physique avec ses pieds, ses griffes, ses troncs, ses jambes, ses bras, cette barbe, cette cervelle. Il y a une fusion de l'extérieur et de l'intérieur. Donc on voit même ce qui ne devrait pas être vu, c'est-à-dire en termes de corps, mais aussi en termes d'action, en termes de vision insupportable pour l'être humain. Et d'ailleurs, heureusement, c'est Maldoror qui le voit. Il y a ces comparaisons totalement inattendues qui viennent créer des images extrêmement fortes et qui en plus sont porteuses, sont signifiantes bien évidemment. Donc sont porteuses de sens. Il y a cette gradation au niveau quand même de la présentation. Souvenez-vous là quand même, si vous... Là, vous voyez, on est arrivé à la fin, on l'a relu. Relisez ou repensez à la phrase de début. Un jour donc, fatigué de talonner du pied le sentier abrupt du voyage terrestre et de m'en aller en chancelant comme un homme ivre à travers les catacombes obscures de la vie, je soulevais avec lenteur mes yeux splinétiques cernés d'un grand cercle bleuâtre vers la concavité du firmament et j'osais pénétrer, moi si jeune, les mystères du ciel. Ce narrateur ose pénétrer les mystères du ciel parce qu'il est fatigué de la vie terrestre. Il n'est pas censé en fait accéder à cette vision infernale, à cette vision démoniaque. Et il y a un contraste énorme, mais en plus il y a une plongée subite en fait dans cette vision horrible. Encore une fois, c'est une forme de, je pense, une forme de... C'est pas intensité, mais j'ai pas de terme plus adéquat. De fulgurance. Je pense que c'est une forme de fulgurance, en fait, de l'image. Et là, bien évidemment, quand même le trône, hein, qui est formé d'excréments et d'or, c'est très proche de « j'ai pris la boue et j'en ai fait de l'or » de Baudelaire. Voilà. C'est... Ouais. Non, mais totalement. Il y a un renversement, en fait, qui est extrêmement... Comment dire ? C'est à la fois intéressant parce que c'est très subtil et à la fois... En fait, c'est un texte qui se lit vraiment différemment de globalement et de loin et de près. C'est un peu ce que je vous disais. C'est-à-dire que quand on le lit la première fois, on est frappé. On se dit, waouh, c'est quoi ça, cet alien littéraire? C'est extrêmement fort, c'est extrêmement saisissant, c'est incroyable. Et en fait, comment est-ce qu'on a pu écrire ça? Comment est-ce qu'on peut lire ça? Enfin voilà, il y a un truc... Que... Et puis encore, voilà, dites-vous, on est entre nous. Donc on est des personnes... bon, on n'est pas facilement choquables. Pour la plupart, on lit quand même un petit peu. Donc dites-vous que là, la manière dont nous, on reçoit ce texte, c'est déjà une manière extrêmement, entre guillemets, atténuée et équipé, comparé à la manière dont beaucoup de gens recevraient ce texte. Ça aussi, il faut le garder à l'esprit, hein, c'est hyper important. Donc, on a cette sensation de choc presque, et de vision assez incroyable, assez folle, quand on le lit et quand on l'observe de loin. Et quand on se met justement à le décortiquer, vous voyez qu'en fait, c'est un texte qui est composé de plein d'éléments qu'on connaît, de plein d'éléments qu'on peut rattacher à d'autres références, à d'autres textes, à d'autres peintures, à d'autres mythes, à d'autres traditions. Et alors c'est ça le point, je pense, vraiment important, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer avec du connu cette sensation de nouveauté et de choc. Je pense que c'est ça qui est vachement, qui est hyper fort avec ce texte.
Et puis, bien évidemment, alors là, on est vraiment sur le style, mais en fait, si... ouais. Il faut les lever juste un peu plus haut, lever la paupière effarée. Si... Mais c'est encore une fois un peu la même chose que quand je vous disais qu'il y avait cette fusion entre guillemets entre l'extérieur et l'intérieur, qu'on pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ben, en fait, là, on arrive à voir, il y a tout qui communique. Et c'est vraiment ça, hein. Dans les champs de Maldoror, il y a une communication permanente entre tout. Maldoror peut communiquer avec les animaux. Il y a une scène très connue avec un requin qui est vraiment juste géniale. Il communique avec les enfants. Il y a les éléments qui communiquent entre eux. Il y a les objets, il y a les éléments, il y a les figures mythiques. Tout est communicant. Et tout est communicant, c'est quand même très surréaliste en soi. Ouais, totalement. Donc ça, c'est juste un extrait, hein. C'est juste une page. Et il y en a tellement d'autres, mais tellement. Oh, merci Dragon Culture, merci beaucoup, c'est hyper gentil. Merci beaucoup. Donc à regret, on va quitter ce texte. À regret, regret. Et donc, là, on a... Alors, il y a plein de traductions, hein, de Dante. Donc, je vous ai sélectionné un extrait du chant 34 de Dante. Et vous allez voir que ce n'est pas sans rappeler ce qu'on vient de lire chez Lautréamont. Ça fait presque de la peine de quitter Lautréamont parce que c'est génial. Mais vraiment, je vous encourage à le lire. Peut-être que l'un des conseils de lecture que je peux donner, c'est de vraiment pas chercher à le lire comme un roman parce que ce n'est pas un roman. De pas forcément chercher de fil conducteur pour la première lecture, de se laisser porter par les images, par le rythme, par la beauté, par la force, par le choc. Et puis, si jamais vraiment c'est un texte qui vous plaît et que vous voulez approfondir, le relire et cette fois-ci essayer de voir une vision globale. Oh, merci Nabolita, mais vraiment, t'es pas obligé du tout, mais merci beaucoup. Merci, merci à vous, vraiment. Donc, c'est l'un des chants, c'est une partie en tout cas où Dante est face à Lucifer. On y va. Là, l'empereur du règne de douleur émergeait à mi-poitrine de la glace. Et ma taille était plus proche de celle d'un géant que celle des géants ne l'était de ses bras. Attendez, je cherche ma souris. Ok, c'est bon. Vois maintenant ce que doit être le tout s'il est proportionné à de telles parties. S'il fut aussi beau qu'il l'est maintenant, et que contre son créateur il osa se révolter, c'est bien lui l'origine de toute douleur. Oh, comme mon étonnement fut grand quand je vis que sa tête avait trois faces, l'une devant, et elle était vermeille, les deux autres s'ajoutaient à celle-ci exactement au milieu de chacune des épaules, et toutes se joignaient à l'endroit de la crête. Encore une fois, vous voyez qu'on a un corps composite, disparate, monstrueux. La droite semblait entre blanc et jaune. La gauche à regarder était semblable à ceux qui viennent d'où le Nil descend. Bon, en gros, elle était noire. Sous chacune sortaient de grandes ailes, à la taille d'un oiseau aussi immense. Je n'ai jamais vu en mer de telles voiles. Elles n'avaient pas de plumes, mais ressemblaient à celles de chauves-souris. Il les agitait si frénétiquement que trois vents en essaient, qui gelaient le Cocyte tout entier. Il pleurait de ses six yeux, et sur ses trois mentons dégouttaient les larmes et une bave sanglante. Dans chaque bouche, il écrasait de ses dents un pêcheur, comme le fait une broie, si bien qu'il en torturait trois. Pour celui de devant, les morsures n'étaient rien en comparaison des lacérations, qu'il écorchait sans cesse, laissant les chines à nu. Cette âme là-haut, qui a la plus forte peine, dit le maître, est Judas Iscariote. Sa tête est dedans et il secoue ses jambes dehors. Des deux autres qui ont la tête en bas, celui qui pend du mufle noir est Brutus, voit comme il se tord et ne dit mot. L'autre est Cassius, qui paraît si membru. Mais la nuit revient et maintenant il faut partir, car nous avons tout vu. Bon, c'est assez évident quand même le lien. Oh, merci Anna. Merci beaucoup. Alors, merci Nabolita, c'est vraiment gentil. Archimus, je pense que tu parles d'un ouvrage sur Lautréamont. Alors, il y a un monsieur qui est très connu sur Lautréamont et d'où j'ai oublié le nom.
Alors Archimie, je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, sinon je pourrais essayer de le chercher. Comment il s'appelle? Attends, je crois que je l'ai. Est-ce que c'est lui ou pas? Faut que je vois sa tête. Oui. Alors, il y a un monsieur, apparemment, qui est assez calé au niveau de l'Autréamont, qui s'appelle Philippe Solers. Bon. Je n'ai pas lu ses textes, hein, mais j'ai écouté une petite conférence de lui, en tout cas une intervention orale de sa part. Voilà. Et il est quand même très très cité dans pas mal des recherches actuelles sur l'Autréamont. Donc voilà. Et effectivement, j'ai aussi vu passer pas mal le livre L'Autréamont par lui-même de Marcelin Plesnay. Voilà, et blanc. Alors oui, et effectivement, Farid a raison. En fait, alors bon, pareil, hein, c'est, j'ai pas envie de recommander ça parce que ce n'est pas vegan. Oui, Soler, c'est le mari de Kristeva. J'étais un peu choquée d'ailleurs. Bref. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, j'allais vous dire, je ne recommande pas bien évidemment les éditions de la Pléiade parce que ce n'est pas vegan, mais il y a en tout cas, si jamais vous le pouvez, d'occasion. La Pléiade de sur l'Autréamont. Et en fait, vous avez du coup toutes les, ou presque toutes, j'imagine, les critiques qui ont été faites du texte, enfin, des textes de l'Autréamont. Donc vous retrouvez les textes de Blanchot, vous retrouvez les textes de Breton. Césaire aussi a beaucoup parlé, enfin beaucoup, Césaire a pas mal parlé de l'Autréamont et lui, il en avait une toute autre interprétation et analyse, beaucoup plus politique et matérialiste dans un sens. Donc voilà, je ne recommande pas d'acheter la Pléiade parce que c'est pas vegan. Mais si jamais vous tombez sur une pléiade d'occasion concernant l'Autréamont, je pense que ça peut être aussi une bonne chose parce que pour le coup, c'est quand même un auteur. Voilà, sur Flaubert, il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages critiques, par exemple. Sur l'Autréamont, il y en a quand même moins. Voilà. Et même les articles qui ont été publiés, bah, par Blanchot ou des textes de Breton, ça reste aussi des textes qui, en général, sont publiés dans des journaux, qui sont plus trop publiés, qui sont difficiles d'accès, qui peuvent être chers. Bref, c'est pas facile. Voilà. Donc, le lien avec Dante, il est évident. Je pense que j'ai pas besoin d'élaborer. Anna, je sais plus si je t'ai dit merci, mais merci beaucoup, Anna. J'espère que je t'ai dit merci. Donc, là, c'est assez évident. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de notre cher Baudelaire, en tout cas de mon cher Baudelaire, parce que je crois que Baudelaire ne fait pas tant l'unanimité que ça, à ma grande surprise, j'ai envie de dire. Donc, en fait, Baudelaire, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est le rapport avec Dieu. Alors là, on va un petit peu sortir du texte et juste en reparler quelques secondes. C'est vrai qu'à cette lecture, en fait, de l'extrait qu'on vient de voir, là, de l'Autréamont avec les chants de Maldoror, on a cette idée que Dieu est mort. D'accord? Alors, Dieu n'est pas mort, mais en tout cas, Dieu est en fait pas vraiment Dieu. C'est quelque chose de très humain, de très corporel, d'indigne, de cruel, etc. Blablabla. Et on pourrait presque y voir, en fait, de la part de l'Autréamont, un déni de l'existence de Dieu, une négation, en tout cas, de l'existence de Dieu. Et c'est vrai que à travers, en fait, les chants, il y a vraiment des fluctuations au niveau du rapport avec Dieu. Mais plus ou moins le consensus à l'heure actuelle sur le rapport de Notre-Dame avec Dieu et donc ce qu'il a voulu transmettre à travers les chants de Maldoror, c'est plutôt quelque chose qui se rapproche de Baudelaire. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui restent croyantes. Croyantes comment? Voilà, catholiques, agnostiques, déistes, bref. La question peut se poser aussi. Mais ce sont des personnes qui ont une forme de défiance, effectivement, vis-à-vis de Dieu, mais qui ont surtout un désespoir. Alors, un désespoir qui peut être dû à plusieurs choses. Alors, Baudelaire, il y a un désespoir multiple, hein. Baudelaire, c'est la société, c'est sa vie personnelle, c'est ce qu'on appellerait sans doute la santé mentale à l'heure actuelle, c'est la vision de ce qu'est un poète. Voilà.
Pour l'Autréamont, c'est plus compliqué, étant donné que, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup moins d'informations biographiques, en fait, sur cet auteur. Mais ça reste aussi quelqu'un qui est mort jeune de maladie, qui a été un petit peu toujours en marge, même s'il n'a pas, lui, souffert de la pauvreté, par exemple, comme Baudelaire en a souffert. Donc ça reste quelqu'un qui crie plutôt une forme de souffrance et de détresse presque existentielle, j'ai envie de dire. Et forcément, ça se retourne contre le créateur et c'est une forme de quête effrénée. Donc c'est pas vraiment une négation de l'existence de Dieu ni du rôle de Dieu. C'est plutôt un énorme questionnement qui est transfiguré par la force de l'écriture poétique de Lautréamont, ce que fait aussi Baudelaire. En fait, Baudelaire, c'est, je pense que ce qui est très important, par exemple, pour vraiment apprécier Baudelaire, c'est de comprendre le va-et-vient permanent et le paradoxe de Baudelaire. Baudelaire, énorme misogyne, qui en même temps a été un grand amoureux aussi et qui a aussi chanté les femmes d'une très belle façon. Baudelaire qui est affreux en termes de sur certaines relations et qui a beaucoup souffert lui de ne pas avoir de relations familiales par exemple qui lui convenaient. Baudelaire qui se tourne absolument vers Dieu et qui préfère invoquer Satan à la fin des fleurs du mal. Vous voyez? Beaucoup 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 de choses. Donc là, on arrive sur un poème de Baudelaire, qui vous allez voir est très différent. Et c'est là que vous allez voir à quel point la forme est différente. Mais l'idée, c'est effectivement, Dieu, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi nous laisses-tu ici? Que doit-on comprendre? Et c'est un très très beau poème, je trouve. Donc, je vais essayer de bien vous le lire, parce que je suis fatiguée, donc je pense que je ne vais pas très bien le lire. Je m'en excuse d'avance. Qu'est-ce que Dieu fait? Voilà, ça commence. Qu'est-ce que Dieu fait donc de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins? Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. Les sanglots des martyrs et des suppliciés sont une symphonie enivrante, sans doute, puisque, malgré le sang que leur volupté coûte, les cieux ne s'en sont point encore rassasiés. Ah Jésus, souviens-toi du jardin des olives! Dans ta simplicité, tu priais à genoux, celui qui dans son ciel riait au bruit des clous que d'ignobles bourreaux plantaient dans tes chairs vives. Lorsque tu vis cracher sur ta divinité la crapule du corps de garde et des cuisines, et lorsque tu sentis s'enfoncer les épines dans ton crâne, où vivait l'immense humanité. Quand de ton corps brisé la pesanteur horrible allongeait tes deux bras distendus, que ton sang et ta sueur coulaient de ton front pâlissant, quand tu fus devant tous posé comme une cible, rêvais-tu de ces jours si brillants et si beaux, où tu vins pour remplir l'éternelle promesse, où tu foulais, monté sur une douce ânesse, des chemins tout jonchés de fleurs et de rameaux, où, le cœur tout gonflé d'espoir et de vaillance, tu fouettais tous ces vils marchands à tour de bras, où tu fus maître enfin? Le remords n'a-t-il pas pénétré dans ton flanc plus avant que la lance? Certes, je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Puissais-je user du glaive et périr par le glaive? Saint-Pierre a renié Jésus, il a bien fait. Oh, bon, Baudelaire, hein, c'est... Oh, je sais pas comment on fait pour pas aimer Baudelaire. D'ailleurs, dénoncez-vous sur le live, vous inquiétez pas, personne ne vous reniera ou ne vous exclura. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Baudelaire? Bref, c'est quand même superbe. Et vous voyez, en fait, on sent là toute l'ambivalence de Baudelaire. C'est-à-dire que à la fin, hein, le vers final est quand même... C'est quand même très clair, hein. Saint-Pierre a renié Jésus, il a bien fait. Et en même temps, tous les vers qui sont adressés, Geneviève, ok, tous les vers qui sont adressés à Jésus, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques les vers adressés à Jésus. Attendez, c'est où? Ici. Et lorsque tu sentis s'enfoncer les épines dans ton crâne où vivait l'immense humanité. Comment peut-on approuver de renier celui dont on pense que dans son crâne vit toute l'humanité? Voilà, n'est-ce pas? Et on sent la douleur en fait. Là, il y a une forme. Alors, c'est presque. Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Quoique. Attendez, je vais vérifier si je dis n'importe quoi.
Mais je ne pense pas. Je sais pas si je vais réussir à trouver exactement. Ah, quoi que si. Bon, donc je dis pas n'importe quoi, donc je peux le partager avec vous, apparemment. Donc en fait, on a une description si belle, si précise, si méticuleuse, là de la mort de Jésus, de la souffrance de Jésus, qu'on est face à ce qu'on appelle une ekphrasis. Enfin, en tout cas, moi, je le verrais comme tel. C'est pas l'exemple le plus connu, je pense, c'est celui qui est cité lorsqu'on parle d'ekphrasis dans la poésie de Baudelaire. Mais je trouve que ça s'y prête quand même pas mal. Donc l'ekphrasis, en fait, c'est, si vous voulez, la repr... Alors ça peut être deux choses. C'est la représentation d'un tableau en littérature, ou c'est la description si détaillée et si visuelle d'un objet, d'une situation, que ça en devient presque effectivement, ça amène presque la littérature du côté de l'iconographie. Et je trouve que là, on est quand même très très proche de ça. Surtout qu'on a pléthore effectivement de peintures, de représentations en tout genre de Jésus sur la croix. Donc là, je pense qu'on peut quand même considérer que c'est un des poèmes de Baudelaire où on peut retenir cette hypothèse-là. Bref, sublime poème. Et vous voyez qu'en fait, on a quand même ici la même émotion. Et on a le rapport au corps, on a le rapport à la souffrance, on a l'adresse directe, on a une forme de proximité, effectivement. Mais le style est totalement différent. Et quand on lit Baudelaire, on se dit oui, c'est superbe, c'est beau, sauf si on n'aime pas. Mais on n'a pas cette sensation de nouveauté, cette sensation de choc, cette sensation de transgression, de presque de violence, en fait, tout simplement, dans l'écriture. Alors, pour finir, parce qu'on en est déjà à 1h30, je vous ai sélectionné un dernier. Un dernier extrait des Chants de Maldoror, qui est plus connu, celui-ci. Et vous allez voir, on a aussi là quelque chose d'assez différent. Mais c'est toujours en rapport avec Dieu, bien sûr. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir parce que c'est tellement bien que là je me suis dit c'est pas grave si ce temps du texte est un petit peu chargé en texte parce que c'est tellement génial et c'est tellement inspirant bizarrement que je me suis dit que c'était très très bien de le partager avec vous. Oui, on est d'accord Samuel. Puis même dans la forme, hein, on sent bien que Baudelaire respecte quand même une métrique, etc. Donc il y a un respect de la forme. C'est pas monstrueux. En fait, justement, bah justement, c'est pas monstrueux. De par un certain respect des conventions formelles, ce n'est pas monstrueux. Oui, mais moi, de toute manière, je pense vraiment que Baudelaire est très intéressant pour appréhender la question de Dieu, de Jésus, du sacrifice, de beaucoup de choses. Le sentiment de choc chez Baudelaire dans les tableaux parisiens notamment a été remarquablement analysé par Ben. Oui, alors Benjamin, il a beaucoup parlé. Benjamin, il a beaucoup parlé effectivement de Baudelaire. Mais de manière, Benjamin, moi, je le trouve très intéressant. On y va? On est d'accord, Elisa. Et alors, bon. Par contre, ça, vous, alors il y a beaucoup. Avant de lire l'extrait là. À Chronique livresque, on parlait effectivement là de Baudelaire à l'instant, mais en fait on n'est pas sur des extraits de Baudelaire, enfin on a lu un poème de Baudelaire, mais on est sur des extraits des Chants de Maldoror. Alors Darko, oui bien sûr. Est-ce qu'on peut comparer Charles Baudelaire à Verlaine ou à Tristan Corbière? Alors, plutôt à Tristan Corbière je pense qu'à Verlaine, mais oui. Alors en fait les liens sont multiples bien évidemment. Ils ont été souvent associés au cours des 2 dernières années, là, je crois, parce que, enfin, 2 dernières ou de la dernière, parce que c'était le programme un peu de première. Ah oui, puis en plus, enfin, ce que moi je trouve fascinant avec Benjamin, c'est qu'il a vraiment des sujets très différents d'expertise. C'est assez, enfin, c'est presque surprenant, quoi.
Donc oui, je disais, désolée, pour Baudelaire, Verlaine et Corbière, Baudelaire et Corbière sont effectivement très proches en termes de toujours la même chose, hein. J'ai pris de la boue et j'en ai fait de l'or, donc la laideur, le beau doit être bizarre, etc. La transgression, etc. Verlaine, Baudelaire et Corbière, c'est l'idée des poètes maudits. Ah, Antoine, c'est génial. Tu devrais m'écrire. Alors oui, c'est de la philo, c'est pas de la littérature, c'est vrai. J'allais dire, tu devrais m'écrire pour passer dans le podcast, mais c'est vrai que c'est de la philo. Donc, oui, Baudelaire, Verlaine et Corbière sont proches. Moi, je trouve quand même que Baudelaire et Corbière sont plus proches que Verlaine, ne les deux. Mais ça reste des poètes maudits. Voilà. Et encore, bien évidemment, ça dépend de quelle Verlaine on parle, etc. On va y aller. Alors, c'était une journée de printemps. Les oiseaux répandaient leurs cantiques en gazouillement, et les humains, rendus à leurs différents devoirs, se baignaient dans la sainteté de la fatigue. Tout travaillait à sa destinée. Les arbres, les planètes, les squales. On retrouve le requin. Tout excepté le créateur. Il était étendu sur la route, les habits déchirés. Sa lèvre inférieure pendait comme un câble somnifère. Alors là, vous voyez, là, on est vraiment dans du surréalisme. Enfin, dans du surréalisme. Vous me comprenez. Ses dents n'étaient pas lavées et la poussière se mêlait aux ondes blondes de ses cheveux. Engourdi par un assoupissement pesant, broyé contre les cailloux, son corps faisait des efforts inutiles pour se relever. Ses forces l'avaient abandonné et il gisait là, faible comme le ver de terre, impassible comme l'écorce, pardon. Des flots de vin remplissaient les ornières, creusées par les soubresauts nerveux de ses épaules. L'abrutissement, au groin de porc, le couvrait de ses ailes protectrices et lui jetait un regard amoureux. Ses jambes, aux muscles détendus, ah, désolé pour le bruit de la moto, balayaient le sol comme deux mâts aveugles. Le sang coulait de ses narines. Dans sa chute, sa figure avait frappé contre un poteau. Il était saoul, horriblement saoul, saoul comme une punaise qui a mâché pendant la nuit 3 tonneaux de sang. Alors là, vous voyez, je fais une petite pause. Mais on a quand même quelque chose qui est pas totalement déconnecté de la charogne de Baudelaire. Il y a un petit truc, quand même, dans la posture, etc. Dans l'idée de flux, là, qui grouille et qui coule, etc. Et puis, on est toujours hein, bien loti au niveau des images et des associations très particulières. Voilà, là, saoul comme une punaise qui a mâché la nuit. Pendant la nuit, 3 tonneaux de sang, encore une fois, peu commun. Et puis alors ça, là, c'est génial aussi. L'abrutissement au groin de porc le couvrait de ses ailes protectrices et lui jetait un regard amoureux. Alors voilà, voilà qui se penche sur le sommeil du créateur. Je pense que c'est assez, assez surprenant. Hop, là, je descends un peu le texte. Il remplissait l'écho de paroles incohérentes que je me garderai de répéter ici. Si l'ivrogne suprême ne se respecte pas, moi, je dois respecter les hommes. C'est pas génial, ça. Saviez-vous que le Créateur se soûla? Pitié pour cette lèvre souillée dans les coupes de l'orgie. Et alors, vous allez voir, c'est là qu'après, on part dans un délire, comme il y en a beaucoup dans les champs. Le hérisson qui passait lui enfonça ses pointes dans le dos et dit: Ça, pour toi. Le soleil est à la moitié de sa course. Travaille fainéant et ne mange pas le pain des autres. Attends un peu et tu vas voir si j'appelle le cacatoès au bec crochu. Le pivert et la chouette qui passaient lui enfoncèrent le bec entier dans le ventre et dirent: Ça pour toi. Que viens-tu faire sur cette terre? Est-ce pour offrir cette lugubre comédie aux animaux? Mais ni la taupe, ni le cassoir, ni le flamand ne t'imiteront, je te le jure. L'âne qui passait lui donna un coup de pied sur la tempe et dit: Ça pour toi. Que t'avais-je fait pour me donner des oreilles si longues? Il n'y a pas jusqu'au grillon qui ne me méprise. Alors, je descends un petit peu, et justement, c'est là que on nous parlait de Corbière. Bah, le crapaud, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, Corbière a écrit un poème sur bah, le crapaud. Le crapaud qui passait lança un jet de bave sur son front et dit: Ça pour toi. Si tu ne m'avais pas fait un œil si gros et que je t'eusse aperçu dans l'état où je te vois, j'aurais chastement caché la beauté de tes membres sous une pluie de renoncules, de myosotis et de camélias afin que nul ne te vît. Le lion, qui passait, inclina sa face royale et dit: Pour moi, je le respecte, quoique sa splendeur nous paraisse pour le moment éclipsée. Vous autres qui faites les orgueilleux et n'êtes que des lâches, puisque vous l'avez attaqué quand il dormait,
Seriez-vous content si, mise à sa place, vous supportiez de la part des passants les injures que vous ne lui avez pas épargnées ? C'est génial, hein ? On est presque dans de La Fontaine. L'homme qui passait s'arrêta devant le créateur méconnu, et aux applaudissements du morpion et de la vipère, fianta pendant 3 jours sur son visage auguste. Sad. Malheur à l'homme, à cause de cette injure, car il n'a pas respecté l'ennemi étendu dans le mélange de boue, de sang et de vin. Vous voyez la boue qui revient toujours. Sans défense et presque inanimé. Alors, le dieu souverain, réveillé, enfin par toutes ces insultes mesquines, se releva comme il put. En chancelant, alla s'asseoir sur une pierre, les bras pendants, comme les deux testicules du poitrinaire, et jeta un regard vitreux sans flamme sur la nature entière qui lui appartenait. Allez, on a fini après. Ô humains, vous êtes les enfants terribles, mais je vous en supplie, épargnons cette grande existence qui n'a pas encore fini de cuver la liqueur immonde et n'ayant pas conservé assez de force pour se tenir droite et retomber lourdement sur cette roche où elle s'est assise comme un voyageur. Là, ça rappelle presque Ma Bohème de Rimbaud. Faites attention à ce mendiant qui passe. Il a vu que le derviche tendait un bras affamé, et sans savoir à qui il faisait l'aumône, il a jeté un morceau de pain dans cette main qui implore la miséricorde. Le créateur lui a exprimé sa reconnaissance par un mouvement de tête, encore une fois, le retournement. « Oh, vous ne saurez jamais comme de tenir constamment les rênes de l'univers devient une chose difficile. Le sang monte quelquefois à la tête quand on s'applique à tirer du néant une dernière comète avec une nouvelle race d'esprit. L'intelligence, trop remuée de fond en comble, se retire comme un vaincu et peut tomber une fois dans la vie, dans les égarements dont vous avez été témoin. » Voilà, hein, je ne sais que vous dire. C'est juste génial. Et oui, je te rejoins totalement, Elisa. Ce qui est très frappant dans cet extrait-là, c'est l'alternance des tons et des tonalités des registres. Je trouve que ça, c'est très très frappant. Alors, on l'avait un tout petit peu dans le premier extrait, hein, ce que je vous disais, vraiment le début, là, l'introduction presque, est très différente de la fin. Mais alors là, vous avez quand même, je trouve, presque 3 parties distinctes. Vous avez la première partie, description surprenante, on en a 4. Je pense même. La toute première partie, vraiment introduction, scène bucolique, on ne s'attend pas du tout à ce qui va arriver. Ensuite, on a cette description du créateur, donc description très dépréciative, très péjorative, qui convoque également plusieurs éléments. Alors ça fait très Rabelais, ça fait très sad surtout vers la fin. Il y a cette idée de déchéance, effectivement. Puis après, il y a tout ce passage avec tout ce bestiaire, en fait, tous ces animaux qui arrivent, et alors des animaux parfois très surprenants, les animaux qui parlent, donc je vous ai dit, hein, la communication, elle est presque totale, en fait, dans les champs de Maldoror, étant donné que tout communique, tout parle, tout se comprend, etc., tout interagit, et on a même jusqu'au crapaud, en fait, qui en arrive là à communiquer avec Dieu. Donc on était déjà surpris dans le premier extrait, plus ou moins, d'avoir le narrateur Maldoror qui arrive à voir Dieu en levant les yeux. Là, on a finalement Dieu qui est descendu sur Terre et qui est plus que descendu sur Terre. Il est totalement avachi sur le sol. Et on nous dit même... Attendez. On nous dit même broyé contre les cailloux. Son corps faisait des efforts inutiles pour se relever. C'est pas rien non plus. Hein. Donc on a ce côté... alors là, c'est très étrange. Hein, on est presque dans un conte, mais un conte presque paillard. J'ai envie de dire, quelque chose d'assez grotesque, de l'ordre de la farce, peut-être plus, on va dire. Et puis, on a cette fin, qui là, relève presque d'une forme de... presque le conte philosophique, avec une forme de morale, et puis un changement très... remarquable, en fait, au niveau du narrateur. Le narrateur qui nous décrit... le créateur dans le premier extrait qu'on a vu semble pas du tout vraiment percevoir ce créateur de la même façon dans l'extrait qu'on vient de lire là. Sachant que celui-ci, par contre, j'ai pas noté dans quel champ c'était, mais je pense que c'est un champ plus... c'est plus que le deuxième, normalement. Et puis, bien évidemment, il y a quand même une ironie qui imbibe le texte. Alors ça, c'est bien évidemment évident. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un petit peu délicieux.
Alors, je vais vous quitter, mais avant de vous quitter, je voulais quand même vous lire pour un petit peu percevoir quand même ce qui... Alors, c'est pour ça aussi que je vous recommande, alors effectivement, de lire les chants, bien évidemment, mais je vous recommande de lire aussi les poésies et je vous recommande, si vous le pouvez, de lire les correspondances. Parce que dans les correspondances, il y a parfois presque une genèse des textes. Il y a un retour de l'autre amont sur ses propres textes. Ah, Rimbaud était le poète du 20e, Ducasse celui du 21e. Les extraits que nous a montré le prof. Ouais. Alors c'est vrai que malheureusement, malheureusement, pas malheureusement, mais moi je suis beaucoup plus sensible à Baudelaire qu'à Rimbaud. Mais ouais, Rimbaud a quand même irrigué le 20e, ça c'est clair. Lautréamont. Alors, il y a deux choses. Et on va revenir là-dessus parce que comme ça me permet aussi de revenir sur un commentaire qu'il y avait tout au début du live sur l'adolescence. Mais je voulais vous lire cette petite phrase de Lautréamont qui est justement tirée des correspondances. Alors, il nous dit, on ne croit plus, on ne veut plus croire, ni un avenir providentiel d'humanité ascendante, ni en un rôle privilégié des poètes dans cette marche de l'homme vers l'idéal. C'est là qu'il y a une grosse différence avec les poètes d'avant, notamment même Baudelaire. La providence fit place à un néant vaste et noir. Là, on retrouve presque la description de l'écriture de Lautréamont par Blois. Et Dieu a un idéal ennemi. Le romantisme désenchanté a fait briller le mal dans ses créations et diffamé comme mensonge ou niaiserie l'espérance du bien. Et juste après, il dit « Ainsi donc, c'est toujours le bien qu'on chante en somme, seulement par une méthode plus philosophique et moins naïve que l'ancienne école dont Victor Hugo et quelques autres sont les seuls représentants qui soient encore vivants. » Donc ça, c'est assez surprenant peut-être parce qu'en fait, Lautréamont est presque plus porteur d'espoir qu'autre chose, ce qui n'apparaît pas très clairement à la lecture de ces textes quand même. Donc je voulais le partager avec vous parce que je trouvais ça intéressant. Alors, et du coup, je voulais juste qu'on se quitte en parlant un peu du côté adolescent. Alors, Michel Léris, L'âge d'homme, ou Les illusions perdues de Balzac. Ouf. Peut-être qu'un jour je parlerai de Balzac, mais j'aime pas trop 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 Balzac. Mais effectivement, la question du créateur, ça c'est quand même très très intéressant, je suis d'accord. Michel Léris, faudrait que je voie. J'ai pas beaucoup 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 lu Léris. J'ai un tatouage qui est quelque chose, enfin un texte plutôt, alors c'est pas un calligramme, mais on va dire presque un calligramme. Ou en tout cas une œuvre de lettres de Léris, mais je l'ai pas tant lu que ça. En tout cas, je dois avouer qu'il y a d'autres auteurs et autrices qui sont sur ma liste. Mais je voulais quand même qu'on se quitte en réfléchissant un petit peu, enfin pas en réfléchissant, mais en fait, les Chants de Mal d'Aurore, c'est quand même un texte, moi je trouve, qui est très adolescent. Et quand je dis très adolescent, c'est pas du tout méprisant, c'est pas du tout négatif, au contraire. Et j'ai cette sensation également avec le surréalisme. En tout cas, j'ai l'impression que c'est souvent ce qu'on va percevoir de ces textes-là aussi. C'est-à-dire que les chants, c'est vraiment, il y a un peu cette idée que voilà, beaucoup de, alors plus, il y a ce cliché, je pense, que ce sont majoritairement de jeunes hommes qui vont lire les Chants de Mal d'Aurore, voilà, quand ils sont fin d'adolescence et que c'est un petit peu la révolution, le côté rebelle, etc. La transgression pour la transgression, etc. Pareil pour le surréalisme, hein, il y a cette idée de presque immaturité en termes de mouvement littéraire. Et je pense que c'est ce qui contribue, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en compte, il me semble, au fait que ce sont malheureusement des textes et des auteurs qui, quoi qu'on en dise, sont pas très très étudiés. Ils sont connus, c'est des monuments dans un sens, mais c'est des monuments qu'on approche peu, qu'on lit peu, qu'on fréquente peu, qu'on étudie peu, sur lesquels il y a peu aussi de parutions. Ils sont presque passés de mode un petit peu. Et c'est aussi ça, je pense, le rapport à l'adolescence, c'est que c'est vraiment l'idée d'être cantonné en fait à un moment de vie,
Et je trouve que c'est problématique pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un mépris, je trouve, d'une force de vie qui effectivement peut se retrouver plus tôt ou traditionnellement dans un moment de la vie qui est, voilà, cette jeunesse-là. Deuxièmement, je trouve que c'est aussi fortement méconnaître les œuvres et c'est les limiter et presque les amputer quand même d'une partie de leur sens, de leurs ambitions et des interprétations possibles. C'est pour ça que j'aimerais vraiment voilà, vous inciter à le lire et à voir au-delà de l'idée de transgression, même si c'est vrai que c'est juste jouissif en fait de lire ce genre de texte. Ça, je suis bien d'accord. Et j'ai une grande affection personnellement pour ce genre d'écrit. Et bien évidemment pour tous les écrits surréalistes, comme vous le savez. Donc Archimus, j'en reparlerai à un autre moment. Mais pas maintenant parce que c'est vraiment pas le sujet et ces temps du texte restent en live donc j'essaie de rester sur le sujet. Et Samuel, oui, j'ai déjà intégré l'Othréamon dans mes cours à deux reprises. Alors là, c'est pas du tout l'objet premier, bien évidemment, de l'Othréamon, mais ce sont en plus des textes parfaits pour les exercices d'analyse littéraire. Donc, comme ça, c'est très très bien. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vais vous quitter. Ça fait quasiment 2 heures que je suis en live et j'ai chaud et je sue et je suis fatiguée et je commence à avoir mal à la tête. J'espère que ce temps du texte vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié la lecture de ces extraits, que ça vous aura stimulé d'une façon ou d'une autre et que ça vous aura donné envie de lire, en fait, tout simplement. Voilà, je vous avais dit, hein, la semaine dernière, on a parlé des amitiés avec Simone de Beauvoir, et je vous avais prévenu que cette semaine, ce serait très 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 différent. Voilà. J'espère vraiment que ça vous aura intéressé, j'espère vous avoir un petit peu fait découvrir le texte, donner quelques clés de compréhension, quelques clés d'analyse. Et si je ne me trompe pas, avant qu'on se quitte, la semaine prochaine, nous serons en août. Oui. Donc, à partir de la semaine prochaine, jusqu'à la fin du mois d'août, le temps du texte sera consacré à des autrices. Voilà. Je vous laisse. Je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires, pour votre enthousiasme, pour votre bienveillance. Je remercie les personnes qui ont fait des dons. C'est très, 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 très gentil. Je l'apprécie énormément. Vraiment. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je vous dis déjà aussi à dimanche pour celles et ceux qui seront là pour le dernier live de la lecture commune de Madame Bovary. Voilà. Je vous laisse passer une très très bonne fin de soirée. Ah, attendez, avant que je m'en aille, comme d'habitude, j'oublie toujours de le dire, mais là je vais le dire. Oh, merci Vinouchka, merci beaucoup, 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 merci. Si vous avez aimé justement ce live et si vous voulez que la vidéo soit plus mise en avant par l'algorithme de YouTube et que plus de personnes puissent le voir, etc., etc., n'hésitez pas à laisser un commentaire, même si je sais que vous avez beaucoup commenté, que vous avez été très active et actif durant le live, mais ces commentaires-là ne rentrent pas en compte pour l'algorithme et le référencement. Donc, si vous voulez bien laisser un petit commentaire après et également aimer la vidéo, c'est toujours très très apprécié et ça m'aide beaucoup. Voilà, cette fois-ci, je m'en vais vraiment. Bonne soirée à vous.